Rat Hashem, le Chok Israël ce matin, Nishmat Moshe Bouzaglo, Bar Rivka. Parato, chez Rabbi Elazar Ben Azaria, il a été utilisé le Shabbat. La vache de Rabbi Elazar Ben Azaria sortait Shabbat avec un petit bandeau rouge entre les cornes. Or que la Torah dit, le Ma'an Yanouach, Shorcha Vachamorecha, Vavdecha Vamatecha. Le Shabbat, c'est pas seulement toi qui as besoin de reposer. Même ton animal n'a pas le droit de travailler. Alors ton taureau, tu le laisses. Ton âne, tu le laisses. Le cheval, tu le laisses. Tu leur laisses tranquille, tu ne mets rien tout. Maintenant, si tu viens, tu mets un bandeau rouge entre le corps d'une vache, c'est un poids de supplémentaire. Ah, tu vas me dire, ce 2 grammes, 3 grammes, même pas un demi-gramme. Tu n'as pas le droit de mettre une charge sur un animal Shabbat. Il faut qu'il soit complètement libre. Ok? Et là, la vache de Rabbi Elazar ben Azaria sortait avec un petit bandeau entre le corne. Et Chachamim, ils ont dit, comment tu laisses ta vache? C'est assourd de faire ça. Okay? Rien que pour vous dire que la Gemara dans Maseret Terovim dit, des fois on apprend de nos animaux. Mi behemot ha'aretz telalfenu. Tu vas nous enseigner de behemot ha'aretz. Ce qui veut dire quoi? Il y avait une histoire dans le Yerushalmi, dans le Talmud du Yerushalmi, il y a une histoire. Il y avait un juif, il avait un taureau. Un taureau très fort, qui labourait les champs avec, qui sillonnait. Un jour, le pauvre, il avait besoin d'argent. Il n'avait pas le choix que de vendre ce taureau. Malgré que c'était un bon taureau et tout, il avait besoin de le vendre. Il est venu un goy, comme il voulait. Il a dit 500 pièces, pas de problème. Il a vu fort et tout ça. Il a acheté. Il a commencé à travailler avec le taureau. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le taureau, il travaille. Il bouge ta parchemin. Shabbat, il vient pour travailler avec le taureau. Il veut pas travailler. Alors il a pris un bâton, part, le taureau ne bouge pas, il a frappé, il a tout essayé, rien du tout. Dimanche, il prend le taureau, il l'emmène chez le vendeur, et il dit, tu m'as eu. Il dit, pourquoi? Il dit, regarde, il travaillait 6 jours, c'est fini, il ne travaille plus. Alors le juif, tout de suite, il a compris que c'était à cause de Shabbat. Il a dit, donne-moi quelques minutes. Il est parti chez le taureau, il lui a parlé à l'oreille. Il dit, écoute-moi bien, mon cher, juste quand tu étais chez moi, moi, je faisais Shabbat. Toi, tu es obligé de faire Shabbat. Je t'ai jamais fait travailler Shabbat. Tu te reposais, je t'ai nourri, tout ce que tu veux. Maintenant que tu es chez lui, c'est un goy. Tu dois travailler. Il faut pas que lui, il travaille, il faut que tu travailles. Tof. Il lui a dit, le vendeur, il lui dit au goy, prends-le. S'il y a un problème, tu le ramènes. Il a repris. Et il a commencé à travailler Shabbat. Il travaillait le Shabbat, il travaillait le dimanche, il travaillait quand il faut, le goy. Il était curieux. Il est retourné chez le vendeur. Il dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Il dit, non. Rink, dis-moi, qu'est-ce que tu lui as dit? Il dit, je lui ai expliqué que quand moi je suis juif et je dois me reposer Shabbat, mon animal doit se reposer Shabbat. Il n'avait pas droit de travailler Shabbat. Je le laissais reposer. Mais toi qui travailles Shabbat, il doit travailler avec toi. Il était fasciné par cette réponse. Il dit, quoi? Même un animal comprend le Shabbat. Il s'est converti. Il est devenu un grand rabbin. Et on l'appelait Rabbi Yochanan ben Torta. Rabbi Yochanan, on l'a donné un nom hébraïque, Yochanan ben Torta, le fils du taureau. C'est le taureau qui lui a fait faire tchouva. Tu comprends? Des fois, les animaux, ils te rendent tchouva. Un animal peut te rendre tchouva. Et l'animal peut t'enseigner. Comme la Gemara dit, si la Torah ne serait pas donnée, on aurait appris le vol de fourmis. Le fourmi ne vole jamais rien, une miette de pain, elle ne vole pas. Okay? Alors, Chachamim n'était pas d'accord avec Rabbi Elazar ben Azaria, qui était un grand érudit. Qui est Rabbi Elazar ben Azaria? Vous savez, c'est lui qui a remplacé Rabban Gamliel. C'est lui qui, dans la Haggadah de Pessach, nous disons, Areane Kebin Shivim Shana. Il avait 18 ans, il a été nommé le chef. Il a été nommé le grand rabbin d'Israël en 18 ans. Okay? Et il avait honte qu'il était noir. Et il y avait le miracle que 18 lignes blanches lui sont sorties sur la barre pour qu'il paraît un peu plus âgé. Okay? C'était un grand chacham. Alors comment la Gemara dit, comment il s'est permis de faire ça, quoi? Il se connaît pas la halakha. S'il est le rabbin d'Israël, il doit connaître la halakha. Dis la Gemara, Rav Yehuda Amar Rav, qu'est-ce que tu me parles de la vache de Rabbi Elazar ben Azaria? Qu'est-ce que tu me parles de ça? Dis, mais lui donner tressar alfe agle ayam aser. Tu sais combien il donnait de maaser, de dîmes, chaque année de son troupeau, 12 000 veaux. 12 000 veaux par année. Tu comprends? 12 000 veaux,
Ça veut dire que dans son troupeau, il y avait 120 000 nouveaux bébés veaux nés. Et il donnait 12 000. Tu me parles d'une vache? Tu sais quelle fortune il avait, lui? Tu sais quelle fortune il avait, lui? Qu'est-ce que tu me parles d'une vache? Dit la Gemara, Tana, on a appris, lo shelo haita, c'est pas sa vache à lui. Chez Shrento, c'était la vache de la voisine. Alors pourquoi tu parles de sa vache à lui? Dit la Gemara, ou mitoch shelo michaba, nikreta shemo. Parce qu'il lui a jamais fait la remarque à la voisine. C'est ta voisine. Dis-la, madame, toi tu es le rabbin, le grand rabbin et tout ça. Dis-lui, madame, c'est Shabbat. Tu n'as pas le droit de mettre un bandeau entre le corne de la vache. Enlève-le, l'animal doit se reposer. Il lui a jamais fait la remarque. Donc, le Chachamim ont considéré que c'était comme sa vache à lui. Pourquoi, dit la Gemara, Kol mi she'efshar lo limchot ban shebeto velo mecha, nitpas an shebeto. Si tu vois ta femme, tes enfants faire une faute et tu dis rien, c'est toi le responsable. Si tu vois un she'iro, si tu vois le gens de la ville en train de faire une faute et tu as la possibilité de leur arrêter de faire cette faute et tu ne le fais pas, nit pas salan she'iro, c'est lui qui est responsable. Vim bekol haolam, si quelqu'un il a tellement la force d'influencer le monde en entier, le judaïsme entier dans le monde en entier pour leur dire de ne pas faire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, il a pas fait, c'est lui qui est responsable. Il raconte sur le Hafetz Chaim, il avait presque 90 ans. Et on lui a dit que dans une ville, là-bas en Pologne ou en Russie, je sais, il n'y avait pas de mikveh des femmes. Le mikveh des femmes s'est cassé. Et il ne répare pas. Il ne répare pas le mikveh. Et c'était le seul mikveh dans la ville. Le Hafetz Chaim, il ne pouvait pas bouger. Il a dit tout de suite à son shamash, donne-moi tout de suite mon manteau. Donne-moi mon manteau. Sa femme, il dit, où tu vas? Il dit, il faut que j'aille là-bas. Le Hafetz Chaim, qui sait qu'il va pas l'écouter? S'il va là-bas, ils vont l'écouter. Il dit, non, mais tu peux pas, même pas me bouger, qu'est-ce que tu vas? Il dit, non. Quand ils ont vu qu'il y a rien à faire, ils voulaient absolument, ils avaient pas le choix, ils lui ont donné son manteau, ils ont pris un cocher, ils lui ont emmené là-bas. C'est pas, il a pas mis dans un Cadillac ou dans un wagon, et tu sais, les routes, ça monte, ça descend. Le pauvre, il s'est torturé avec ses voyages. Il est arrivé là-bas. Vous savez qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à la communauté? Il a dit, s'il vous plaît, je suis venu ici pour vous faire un contrat. Un contrat avec nous? Quel contrat? Il dit, voilà, j'ai rédigé un contrat. Vous me signez le contrat que je ne suis pas responsable que votre mikveh est cassé et que dans après 120 ans, qu'ils ne me réclament rien. Pourquoi? Parce que comme c'était le tzaddik de la génération, ils vont le réclamer dans le ciel. Pourquoi tu n'as pas parti là-bas? Et il était âgé, il a dit, vous me signez. Eux, quand ils ont entendu, vous me signez le contrat, que vous me libérez des responsabilités, ils avaient peur. Ils disent, non, Rabbi, tout de suite, ils ont fait un collecte, ils ont ramassé, en une semaine, ils ont réparé le mikveh. C'est lui qui peut influencer une ville, c'est lui qui peut influencer un monde, c'est lui qui peut influencer sa famille, ses enfants, il doit le faire. Baruch Adonai Leolam, Amen, ve Amen.